happened was very unusual for Switzerland and for Geneva, because we suddenly saw people queuing to receive food help. Thousands of people were queuing, and that was totally unexpected for a country like Switzerland. So Partage is Geneva's food bank, and in June 2020, the canton of Geneva asked us to help them to distribute food and to continue the food distribution that had started a few weeks before with a private association. So we're now in charge of this food distribution 2 times a week, and they prepare around 6,000 bags per week. Alors la Fondation Partage a 3 missions. La première, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. La seconde mission, c'est la réinsertion professionnelle avec nos collaboratrices et collaborateurs en emploi de solidarité. Et la dernière mission, c'est l'aide alimentaire que l'on procure aux personnes en situation de précarité, enfin aux associations qui gèrent les personnes en situation de précarité grâce au travail que l'on fait dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Depuis le mois de mars, la situation s'est dégradée puisqu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui sont malheureusement dans des situations de précarité difficile. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Donc il y a un appel beaucoup plus conséquent à l'aide alimentaire d'urgence. All together, Partage has more than 16,000 beneficiaries, because we also help other associations that we had been helping before the COVID-19 situation. Et puis on va effectivement solliciter le plus possible de personnes pour que l'on puisse continuer à assurer cette mission, qui est une mission importante, puisque cette mission assure l'un des droits humains les plus fondamentaux, qui est le droit à l'alimentation.